Bah, c'est bon. Donc voilà Patricia. Oui. Bonjour Patricia. Et bonjour. Donc Olivier Rontès, pour la prise en charge d'une seconde chirurgie du pied. Oui. Vous avez déjà été opéré une première fois. Une première fois, oui, le 3 mai, et la seconde fois, il y a 15 jours. Voilà. Super. Et là, aujourd'hui, on me fait l'ablation des broches. Super. Voilà. Et donc ça avait été fait simplement avec des anesthésies autour de votre cheville. Oui. Très bien. Ouais. C'est fabuleux. On rentre le matin, on s'en va l'après-midi, on peut déjeuner après l'intervention. Et puis, ce qui est très bien, c'est qu'on ressent rien du tout au bloc, c'est ça. Et après, on n'a pas de douleur pendant un bon moment. Ah. Et quand la douleur se réveille, bon, ben, il faut assurer avec quelque chose. Hein. Donc, on va aller le rejoindre au bloc opératoire. Il va oui, nous montrer comment il a fait tout ça. Oui, moi, je m'en souviens très bien ce qu'il m'a fait. Ben, vous allez les pouvoir, deux fois. Eh bien, super. Vous allez pouvoir nous dire si c'est pareil. Oui. Pour avoir la chirurgie et l'analgésie. Ben super Patricia. Ouais, d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien. Très bien. Parfait. C'était super. C'était super. J'ai très peu senti ce qui se passait. Je l'ai senti légèrement et je peux dire que c'est super. Et je pense déjà que j'ai mon pied qui commence à s'endormir. Ça vous fait quoi dans le pied ? Une lourdeur là. Au milieu, là. D'accord. Au milieu, en dessous du pied, quoi. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que quand vous arrivez à bouger la cheville et que vous n'avez pas de bloc moteur au niveau de la cheville et donc pas de stépage ou quoi que ce soit, et ça, c'est ce que disait tout à l'heure Olivier Rontès, c'est que c'est intéressant quand vous sortez, c'est que le pied ne tombe pas. Voilà. Et ça peut être embêtant quand on a des blocs plus proximaux, on a le pied qui tombe et ça demande une organisation différente. Mais là, on le voit bien, vous arrivez largement à bouger les pieds. Bon, on va vous suivre au bloc opératoire. Oui, ok. On vous laisse là le temps que ça s'installe. Oui, à tout de suite. Est-ce que pour toi, il y a une vraie différence entre l'AG et l'ALR sur la chirurgie du pied ? La première question. La deuxième, ce sera, est-ce que tu as vu une différence entre, parfois, ils faisaient des blocs assez proximaux et maintenant, ils font des blocs quasiment à la cheville. Est-ce que pour toi, il y a une vraie différence pour les patients ? Alors, deux fois oui. Deux fois oui. Deux fois oui. Oui, à la première question, parce que ça a changé, ça a même métamorphosé les suites opératoires. D'accord. C'est-à-dire, depuis les ALR, les douleurs, c'est plus un problème. Et les gens, maintenant, d'ailleurs, viennent nous voir parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas mal. D'accord. Donc, la légende, enfin, pas la légende, l'histoire qui était de dire le pied fait mal, c'est terminé. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on a un vrai progrès. Et surtout, avec les adjuvants qui permettent d'avoir des qui sont très longues dans le temps, qui fait que le pied se réveille, finalement, après la disparition des douleurs post-opératoires. Donc, ça, c'est très, très important. Donc du confort, de la qualité post-opératoire, mais aussi une diminution majeure de toutes les complications post-opératoires liées à la douleur. Et alors les blocs distaux, c'est important aussi, parce que on fait de l'ambulatoire,
comme on fait de l'ambulatoire, les gens ils repartent 2 heures après et c'est beaucoup plus simple pour eux s'ils repartent en marchant. Alors que quand on fait des blocs poplités, des blocs hauts, il y a un bloc moteur. Et le bloc moteur fait qu'on a un pied tombant, ce qui est aussi un peu plus difficile. Voilà, c'est un peu plus difficile. Donc là, ça fait à peu près 1h30, voire 2 heures que Patricia a été opérée. On la rejoint dans sa chambre, on va voir comment elle va. Allons-y, rentrons. Bon, alors vous avez fait vos premiers pas toute seule déjà ? Toute seule. Alors, peut-être qu'on avec va marcher ça ou pas ? Oui, on va s'avancer un peu vers le couloir. Allons-y, on va prendre ça. Allez, on avance un petit peu, il y a une priorité, mais c'est pour nous. Mais là, les cannes, en fait, elles ne servent à rien. Elles ne servent à rien du tout. Donc je vais vous les prendre peut-être. Ah bah oui. Parce que si ça n'a aucun intérêt, je vous les prends. De peu de temps. Vous arrivez à marcher comme ça ? Ah bah alors allons-y. Donc là, vous êtes bien stable, il n'y a pas de problème. Ah oui, tout à fait. Vous ne sentez pas de douleur, rien. Aucune douleur. Donc on peut rentrer chez soi après une chirurgie du pied. On peut rentrer chez soi après une chirurgie du pied en ambulatoire. Super. Il n'y a aucun problème. Oui, ça, c'est pas la publicité, ça.